Einstein, un jour je me suis posé la question: pourquoi dire la vérité quand il est préférable de mentir? Pourquoi se battre quand on peut s'enfuir? À l'époque de ces doutes, j'étais encore un enfant. J'espérais y remédier lorsque je serai plus grand. Et effectivement, une enfance volée, relation troublée, un moi déchiré, régénéré par le doute trinitaire. Plus de Saint-Esprit, plus de fils, plus de père. J'avais des pensées sordides, morbides avant. Demande à Majid comme Camus. J'élaborais des thèses sur le suicide. La lecture et le prophète illettré ont été les causes de Dieu pour que j'ouvre les yeux. Acte prodigieux. J'ai toujours été un jeune vieux. Lorsqu'il est parti, je m'en suis voulu. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et puis toute créature doit disparaître. Donc il faut oublier notre image, notre apparaître. Comme l'enfant Peul, Amadou, Ampateba. Certains se gargarisent avec une simple culture livresque. Parle de la mort comme s'il dessinait une fresque. Exister peut ainsi devenir tragico, absurde. Tout le monde veut parler mais beaucoup affabule. Si l'homme est seul face aux grandes questions de l'existence, il ne croit pas en Dieu donc sa vie n'a pas de sens. Pense toutes ses blessures métaphysiques par différentes compensations cathartiques. Ceux que je connais se soignent avec la musique. La plupart d'entre nous souffrent de troubles névrotiques et s'agitent. Ce bas monde est devenu leur gîte. Je pense souvent à mon frère qui est parti trop tôt. J'ai pas pu lui dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et le reste c'est faux. À la vie. Actes, veille sur nous, repose en paix.